Salut mes bonnes gens. Je vois un crête qui finalement visite rien de cet site parce que là je me suis rendu compte que tout le monde est parti ses grands chemins, ils font des détours puis des retours, ça visite des affaires, ça visite du patrimoine, c'est bien correct. Fait que Joachim en a profité de faire la même affaire. Présentement, je suis à Gatineau. Moi, j'ai rencontré un gaillard à Trois-Rivières qui me dit « Tu devrais aller voir Joe Montferrand dans les Outaouais, sa rivière Gatineau. » C'était un homme fort, un costaud, un correct, c'était un draveur. Je sais pas si on y connaît ça. Il dravait la pitoune sur la rivière des Outaouais. Les arbres qu'on couche dans l'arbre, les bûcherons, ils couchent dans la rivière, puis là, ils dravent ça, tout ça. Joe Montferrand, c'est un draveur de pitoune. Puis celui qui m'a donné l'information, c'est son cousin à Trois-Rivières, Jean. Jean Montferrand. Je sais pas si t'as entendu parler de Jean Montferrand. Bon, lui, c'est pas un draveur, lui, c'est un dragueur de pitoune. C'est pas du tout la même chose. Mais les deux se sont battus contre 150 Irlandais, mais pas pour la même raison. Bref, je suis là pour te dire que je suis à Gatineau, mais m'en revenir. Fait que patiente, farfouille, trouve des superstitions pour accumuler ça, mets ça en note, puis écris-moi ça! Écris-moi, ou fais ça, envoyer ça par ton bedeau jusqu'à moi, je sais pas. Trouve une solution, envoie-moi une superstition, moi, je les collectionne. Je mets tout ça là-dedans, je les écris une par une, je les mémorise, puis après ça, ben, je peux en parler aux autres pour que tout le monde, pour qu'on ait un Québec superstitieux, puis qu'à un moment donné, ça devienne du grec, qu'on devienne le patrimoine mondial de la superstitionnerie. Fait que ça va être grâce à toi. Alors, reviens-moi!